Allez, on commence. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va écouter un petit peu de jazz. Enfin, je ne sais pas si ce sera que du jazz, mais en tout cas, voilà, ce sera notre ambiance musicale. Qui est là? Qui est là? C'est vendredi. Vendredi, c'est toujours un petit peu plus difficile d'attirer le monde. Anas est avec nous. Nancy est là aussi. Stardust. Bonjour. Felipe est là aussi. Yossi, bonjour. Luciana est là. Rock est avec nous. Victoria Posse est là aussi. Alors attendez, Annabelle. Oh, Annabelle, il faut dormir si c'est trop tard. Felipe est là aussi. Marina est là. Alors, qu'est-ce que Cosmina est là aussi. Hillary est avec nous. Marcus est là aussi. Gloria, coucou. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cassandra est là aussi. Bon, bah écoutez, hier, effectivement, Cosmina et Yossi. Je crois qu'en tout cas, Cosmina était la première. Elle avait dit « Oui, je reconnais, c'est la ville de Lyon ». Et oui, c'était Lyon. Lyon, magnifique ville. On peut manger de façon admirable et c'est vraiment très sympathique. Moi, j'aime bien Lyon. Je dois dire que la deuxième ville, peut-être, où je pourrais imaginer habiter après Paris, ce serait Lyon. Avant Marseille, je crois. Je dois dire avant Marseille, probablement. C'est terrible, mais je le reconnais quand même. Dénora est là. Bonjour, Dénora. Cassandra qui nous dit « Joyeux vendredi ». Youpi ! Kate Geek, bonjour. Vouslat nous rejoint. Et Sophia X aussi. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer, comme d'habitude, sur le like. Nous allons essayer d'arriver aux 100 likes. Ce sera notre objectif. Alors, la chanson du jour, eh ben, la chanson du jour, je pensais que ce serait sympathique de vous présenter une artiste que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Enzo Enzo. Alors, elle n'a pas été elle n'a pas produit beaucoup de choses ces dernières années, mais en tout cas, il y a une chanson que je trouve magnifique, qui s'intitule « Juste quelqu'un de bien ». C'est vraiment une chanson très très douce, vous verrez qu'elle a une voix qui est très très douce et très agréable, et c'est un petit peu jazzy justement comme musique, et c'est vraiment vraiment une très très belle chanson. Si vous avez l'occasion, écoutez, regardez les paroles, et c'est toujours une bonne activité pour travailler un petit peu la langue d'une façon sympathique. Allez, à vous la parole. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de « à vous la parole ». C'est un petit peu le concept de la journée. Je m'étais dit « tiens, pourquoi pas ?» Allez, à vous la parole. Quelle est la meilleure chanson, à votre avis, pour danser? Alors, expliquez-moi pourquoi c'est une bonne chanson, à votre avis, ou donnez juste le titre ou l'artiste. En tout cas, quelle est, à votre avis, bien sûr, tout ça, c'est subjectif, la meilleure chanson pour danser. Allez-y. Alors, Victoria Jacques nous rejoint. Coucou. Alors, Lynn qui nous dit « Bonjour prof et à tous ». Eh bien, bonjour Lynn. Cassandra nous dit « Si c'était Lyon, je souhaite visiter cette ville. Elle est si belle et si classique ». Cassandra, c'est vraiment une ville magnifique. C'est vraiment très, très, très agréable. Et on mange magnifiquement bien à Lyon. Lyon, c'est quand même là une capitale gastronomique, mais vraiment, vraiment, très sérieusement. «
Alors, c'est Anne Vikim qui nous dit « La chanson de Ezra Moukoli, ses chansons sont très effarantes, je les aime. » Anas qui nous dit « 24 Magic in the Air » de Bruno Mars. Ah, Bruno Mars, c'est sympa. Elle est très motivante pour faire n'importe quelle chose. Ah, Bruno Mars, il est très très fort pour ça. Et une voix incroyable. Il a sorti quelque chose il n'y a pas longtemps. Stardust. Oh! Personal Jesus de Depeche Mode. Personnellement, la seule chanson que je chante dans les karaokés, c'est Enjoy the Silence de Depeche Mode. J'adore cette chanson, mais c'est vrai que c'est un groupe mythique. Mercurial Man, la meilleure chanson pour danser est Ring a Ring a Rose. Très bien. Chiou qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. Dites-nous exactement, ou Joseph, dites-nous quelle est la meilleure chanson pour danser, à votre avis. Yossi, Lyon est très belle. Je l'ai vue pendant le Tour de France de l'hélicoptère. Ah oui. Oui, oui, oui. Non, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Il y a vraiment des choses très, très, très belles là-bas. Learning Languages, bonjour. Bonjour à vous. Hilary qui nous dit « Je ne danse pas, mais je préfère les chansons de Kenvi. » D'accord. Cherylyn nous rejoint. Alors, Cherylyn, quelle est la chanson qui vous fait danser? Quelle est la chanson qui vous fait danser? Sophia X, oh oui, effectivement. « Time of my life » de Dirty Dancing. Un grand classique. Alors, elle est douce avec le bon rythme. C'est pas grave, je ne demande pas l'âge. Personnellement, 70, années de 70, j'ai connu toute cette période des années 80. C'était formidable. Cosmina Bellou, je danse sur n'importe quelle musique, mais la musique de notre cours de français est très belle. Ah oui, mais il faut danser. Il faut danser. Mais là, c'est pas vraiment. Cosmina qui dit, alors quand vous mettez de la musique, je danse avec les bras et le corps, étant assis au bureau devant le portable. Stardust qui dit, moi aussi. Ah, pour la, quand vous chantez. Ah ouais, c'est la seule. La seule chanson. Quand on me demande le karaoké, Enjoy the Silence, c'est la seule. Cassandra, ce sont des chansons de Michael Jackson. Eh oui, eh oui, savez, on a envie de danser automatiquement. Felipe, la meilleure chanson pour danser. Et je veux une chanson de Zaz. Ah oui, cette chanson est très énergique, c'est vrai. Cherylyn qui dit ça dépend de quel genre de danse. Cherylyn ne veut pas, ne veut pas répondre. La technique que l'on connaît tous. Luciana, ça dépend de l'état d'esprit. Parfois, Abba. Abba, on fait des choses incroyables. Effectivement, on a envie de danser directement. Il y a une version de Waterloo qui est en français, je crois. Louis, alors Bichota de Carole Shea, c'est une bonne chanson pour moi. Victoria Posse qui nous dit, moi, les chansons qui me font danser sont celles de Michael Jackson, bien sûr. Athé qui nous dit, bonsoir, vous avez déjà liké, c'est bien. Et Yossi qui nous dit, il y a beaucoup de chansons pour danser, ça dépend avec qui on danse. Alors, un grand, grand classique du cinéma français, de la comédie. Hein, c'est un film de Gérard Rouret encore, et bien sûr, c'est avec Louis de Funès. Les aventures de Rabbi Jacob. Il est incroyable, ce film. Si vous aimez Louis de Funès, c'est toujours très amusant. Il se moque de tous les problèmes qu'il y avait déjà à cette époque. Le racisme et les problèmes de religion. Mais c'est très, très amusant. Donc, si vous voulez le regarder, regardez-le, Ice Cubes nous rejoint. Coucou. Allez, trouvez un mot et on commence avec cette petite image, s'il vous plaît. Trouvez un mot lié ou associé à cette image. Merci.
Alors, Carmen Irène qui est la première et qui nous dit un ange de neige, effectivement. Learning Language is qui nous dit la neige. C'est parfait. Gloria qui dit bonsoir à Ice Cubes parce que Gloria est très polie. C'est bien. Hilary qui nous dit des bottes. Eh oui, effectivement, il faut porter des bottes quand il y a de la neige. Merco Yalman, la fille fait un ange de neige, d'accord. Ice Cubes qui nous qui dit bonsoir à Cheryline. Cosmina qui nous dit un macabé. Comment ça, un macabé? Ok. Luciana qui nous dit tomber. Lynn qui nous dit l'hiver, qui est masculin pour votre information. Denora qui nous dit se relaxer. Annabelle qui nous dit violette. Et oui, effectivement, c'est la couleur, hein, ou le violet si vous préférez. Yossi, je suis en hibernation et je peux me reposer. L'idée, Yossi, c'était de faire juste avec un mot, hein, pas une phrase, s'il vous plaît. Alors, Johan Gomez qui nous dit bonjour, je m'appelle Johan, comment allez-vous? Très bien, merci. Participez à l'exercice, Johan, hein, s'il vous plaît. Juste un mot connecté à cette image, Johan, merci. Gloria qui nous dit une boule de neige, d'accord, très bien. Ou une boule à neige, c'est ce que vous voulez, oui. Ice Cubes qui nous dit imaginez. Felipe qui nous dit se détendre. Julia qui dit je pense immédiatement au film Eternal Sunshine on a Spotless Mind, c'était celui-là. Cassandra, le cloud. Ah, le nuage, vous voulez dire. Le nuage. Athé qui nous dit l'enfance féminin. Cherylyn qui nous dit parfait, en relation à la chanson d'Ed Sheeran. Ah, ça y est, Cherylyn, elle commence à donner des informations musicales. Elle s'ouvre finalement. Stardust qui nous dit un ange des neiges. Anne Vikim qui dit heureuse. Julia qui dit ah, un mot, oui, s'il vous plaît. Sophia X, elle attend sous le dôme pour voir la lumière du nord. Et Yossi qui nous dit se reposer. Merci beaucoup. Alors Ice Cubes, boule de neige, boule à neige, la boule de neige c'est celle que vous faites avec de la neige. La boule à neige c'est la neige qui est à l'intérieur. Allez, s'il vous plaît, trouvez-moi un mot qui est connecté, lié à cette image, allez-y. Mais non, Ice Cubes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fernanda Garcia nous rejoint. Bonjour Fernanda, participez s'il vous plaît. Alors, Ice Cubes qui dit Vincent est venu avec l'exercice du nombre sur son t-shirt. Mais non, c'est marqué encore, c'est ça sur mon t-shirt. C'est important, il en faut encore et toujours encore. Anvi, la musique, Julia qui nous dit enterré. Ah non, peut-être pas pour celui-là, j'imagine. Lynn qui nous dit chanter, Stardust chanter. Denora qui nous dit Alléluia. Hilary qui nous dit collaboration féminin. Mercurialman qui nous dit une chorale, très bien. Yossi qui nous dit une chorale aussi. Luciana chanter. Athé qui nous dit un chœur, très bien, effectivement. Monono, qui nous dit chanter. Intéressant comme nom. Et magnifique. En tout cas, à prononcer formidable. Carmen qui nous dit chanter. Cosmina qui nous dit un syndicat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cosmina, elle est en forme. Sophia X qui nous dit le cœur. Victoria Posse qui nous dit le cœur aussi. Cherylyn qui nous dit intersectionnalité.
si vous voulez. Rock qui nous dit « J'ai une chorale ». Oui, attention, Rock, juste un mot, Annabelle Nouvelle qui nous dit « Noël ». Felipe qui nous dit « Chanter ». Olga qui nous dit « Bonsoir ». Bonsoir, Olga. Participez. Vouslat, le gospel. Cassandra qui nous dit « La musique ». Ice Cubes qui nous dit « Une équipe musicale », si vous voulez. Alors, musicale avec un « e » à la fin. Et Luciana qui dit « Encore à l'envers ». Hein? Comme, hein, encore. Ah oui. Ah ben c'est les caméras, vous savez. C'est à l'envers parce que c'est la caméra. Je suis désolé. Allez, trouvez-moi un mot, s'il vous plaît, lié à cette image. Alors, Soukaniare qui nous rejoint, bonsoir, bonsoir, participez s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer, merci beaucoup. Alors j'imagine que ça va être populaire, hein. Anne Vikim qui nous dit un cerf-volant, c'est masculin, Soukania qui nous dit aussi un cerf-volant, Hillary qui nous dit voler, Yossi qui nous dit avec au pluriel, faites attention, cerf, c'est avec un C, Yossi, Victoria Posse un cerf-volant, Fernanda qui nous dit voler, Carmen qui nous dit jouer, Vouslat nous dit s'amuser, Ice Cubes qui nous dit jouer, Luciana, il paraît 9 et quelques chiffres. Ah, c'est une date. Luciana qui regarde. Elle regarde avec une loupe pour essayer d'analyser. Cosmina transcendante. Yulia B qui nous dit un attrape-vent. Sophia X qui nous dit faire du cerf-volant. Lynn qui nous dit kite. Attention, Lynn, c'est plutôt un cerf-volant. Annabelle qui nous dit un amusement. Denora qui nous dit la connexion. Rock qui nous dit un dragon volant. Alors, je n'ai pas vu le dragon, mais pourquoi pas finalement. Stardust, les lumières du ciel. Athé qui nous dit la fête chinoise de la nouvelle année. Cosmina qui nous dit transcendant. Ah, vous allez le mettre à toutes les sauces. Tout à l'heure, c'était au féminin. Maintenant, c'est au masculin. J'attends le pluriel. Cassandra qui nous dit le banc. Chériline, octaèdre, ah oui, d'accord, très bien, on voit que Chériline a envie d'impressionner les autres, merci. Allez, on continue s'il vous plaît, trouvez-moi un mot connecté à cette image. Ah d'accord, c'était pour faire la correction avec le S, nous dit Cosmina. Felipe qui nous dit partager. Ah partager, c'était pour avant. Anne Vikim qui nous dit relaxer ou peut-être se relaxer. Hein. En général, c'est plutôt la forme pronominale. Yulia qui nous dit paresseux. Oui, faites attention, paresseux, hein, c'est avec un E. Soukania qui nous dit une discussion. Denora qui nous dit c'est assez. Marina Gol qui nous dit une pause, effectivement. Hillary qui nous dit se reposer, Annabelle qui nous dit discuter, d'accord. Cassandra qui nous dit le week-end. Attention, week-end en français, Cassandra, on a week et puis après on a trait d'union et end. C'est comme ça. Stardust qui nous dit relaxant, relaxante. Johan qui nous dit pom pom de jam. Ah, vous, c'est la réponse à la première question.
Sophia X qui nous dit un investissement. Yossi qui nous dit surmené. C'est vrai qu'il a l'air, d'être très très stressé, cette personne. Gloria qui nous dit un effacement. Carmen qui nous dit procrastiner probablement. Athée qui dit se reposer. Luciana se détendre. Fernanda qui nous dit relâcher, se relâcher. Mais qu'est-ce que vous écrivez ? Le mirliflore, nous dit Cosmina. Lynn qui nous dit se reposer. Victoria Possé qui nous dit détendu. Vouslat qui dit rêver. Ice Cubes qui dit Gabriel de la série Suits. J'ai jamais vu cette série. On m'a dit que c'était sympathique, mais je n'ai pas vu cette série-là, je dois dire. Yehova qui nous dit la détente. Oui, pas d'accent sur le A. Olga qui nous dit il est resté à son travail. Rock qui nous dit apprendre le français. Peut-être que... Eh oui. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous regardez votre ordinateur et puis vous êtes tranquille, vous faites les exercices. Peut-être. N'oubliez pas de cliquer sur like, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est la dernière et j'aimerais juste un mot connecté à cette image, s'il vous plaît. Alors, Ice Cube qui nous dit que... Ah oui, d'accord. Ah, donc vous avez regardé juste le premier épisode pour mémoriser le nom d'un personnage et après, vous n'avez pas regardé. Ouais, bah peut-être que c'est bien. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. On m'avait dit que c'était pas mal. Yulia qui nous dit le vin. Anvi, Kim qui nous dit le rendez-vous. Marina Gol au resto. Soukania qui nous dit se rencontrer. Denora qui nous dit finalement. Sophia X qui nous dit un anniversaire. Attention, Sophia X, un anniversaire de mariage. Souvenez-vous que un anniversaire pour les Français, c'est birthday. Un anniversaire de mariage, c'est l'équivalent de anniversary. Il y a aussi un engagement. Oui, est-ce que c'est engagement ou fiançailles, vous voulez dire? Des fiançailles, peut-être. Gloria, proposer, qu'est-ce que... Est-ce que c'est... Je ne comprends pas, Gloria. Je suis désolé. Chi proposé. Gloria mélange de l'anglais et du français. Vous faites du franglais. Ça n'est pas raisonnable, Gloria. Cosmina, embobliné avec le sens de séduire. Luciana qui nous dit proposer. Gloria qui nous dit se... Ah oui, d'accord. Ah, c'est en kit. Stardust, aimé. Carmen, amoureux. Annabelle, publicité. D'accord, ça fait une... On pense à une publicité, Annabelle. Que se passe-t-il? Felipe, tombé amoureux. Laura qui nous dit la romance. Magnifique. Rock, le premier rendez-vous. Fernanda qui nous dit une proposition. Ice Cubes qui nous dit romantique, mais... Du point de vue de la femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Alors, vous, cela, des bougies. Et oui, bougie, c'est féminin. Une bougie, pour votre information. Lynn, engagée. Mono. Une proposition, ouais. Oui, une proposition en, peut-être en mariage ou je ne sais pas. Chérie Lynn, un sacrifice de plante. Ils boivent le liquide de la rose. Ça, vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas. Peut-être que c'est bon finalement, on ne sait pas ça. Olga qui nous dit, ils célèbrent leur première année de mariage. Et Cassandra qui nous dit, le dîner. Merci beaucoup. Alors, un grand, grand, grand acteur français, Patrick Devers, que moi, j'ai adoré, que j'adore toujours, mais c'est un peu l'histoire d'une tragédie. C'est un homme qui était très, très populaire et qui a décidé à un point de sa carrière de
mettre fin à ses jours. Donc il s'est suicidé, mais les films qu'il a faits étaient vraiment, vraiment très très bons. Allez, à vous la parole. Quelle est votre odeur préférée et pourquoi ? Quelle est l'odeur que vous préférez et pourquoi ? Allez-y, s'il vous plaît. Alors c'est vrai que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, il faut cliquer sur le like, s'il vous plaît. Notre objectif, c'est 100. Et j'aimerais bien qu'on y arrive, ce serait quand même très, très agréable. Alors cliquez si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît. Alors, Edward qui nous dit « Je suis du Québec, province du Canada ». Eh bien oui, je parle anglais, mais ma femme, elle parle le québécois. Eh bien écoutez, bienvenue Edward, bienvenue. Participez, écrivez, nous faisons des exercices et on s'amuse, l'ambiance est bonne. Alors, c'est Anne Viking qui nous dit « La vanille parce que ça sent d'un air dégagé ». D'accord. Evelyne qui nous fait « Coucou ». Ça, ça veut dire « Coucou ». Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire c'est, ou est-ce que c'est « Bravo ». Alors, Cosmina qui nous dit « L'odeur d'un abricot en fleurs ». Annabelle qui nous dit « La lavande parce que c'est calme ». Ouais. Et alors, justement... Quand vous prenez, si vous conduisez en voiture par exemple, vous partez de Marseille, de Montpellier, du sud, et vous allez en direction de Lyon. On a vu Lyon hier. Il y a des champs de lavande, c'est magnifique. De chaque côté, vous voyez des champs de lavande, c'est incroyable. C'est vraiment une route très très belle. Marcel qui nous dit « J'aime l'odeur du rhum de la Havane ». Juste l'odeur ou le goût aussi. Ramsey qui nous dit « Can you please give my cat Snuffy a shout out ?» Mais bien sûr, Ramsès, c'est toujours un plaisir de saluer votre chat Snuffy. Hilary qui dit « J'aime l'odeur de la boulangerie ». Ah ouais, ça c'est pas mal. Mercury Allman qui nous dit « Mon odeur préférée est le parfum naturel ». Carmen qui nous dit « Mon odeur préférée, c'est donc les roses parce que je les adore ». Vouslat, « Je préfère l'odeur de la jasmine ». Eh bien, bien sûr, le jasmin, c'est quelque chose qui est important parce que, bien sûr, c'est le nom de ma fille. Donc, automatiquement, le jasmin, bien sûr que c'est important. Julia qui nous dit le café. Eh ouais, c'est formidable le café. Athée qui dit j'aime l'odeur du bois. Yossi, l'odeur de la forêt. Sophia qui nous dit j'aime l'odeur de l'eucalyptus car il me soulage beaucoup. Marina qui nous dit « Je préfère l'odeur de la rose ». Fernanda qui est d'accord avec Julia et qui dit « L'odeur du café ». Victoria Possé qui nous dit « Mon odeur préférée, la cannelle ». Vous savez Victoria, il faut venir dans les pays nordiques, on met de la cannelle, ils mettent de la cannelle partout. Partout, partout. Et la tarte aux pommes avec de la cannelle, c'est pas mal. J'ai découvert ça ici. En France, c'est pas traditionnel. Luciana, j'adore le jasmin et les fleurs en général sont un cadeau de Dieu de la nature.
Stardust, les pâtisseries, ah oui, ou le pain fraîchement sorti du four, j'aime juste l'odeur. Ça, c'est pas mal, c'est vrai. Felipe, j'aime l'odeur du café le matin. Eh oui, c'est très agréable. Vous voyez, très populaire le café. Moi aussi, j'aime bien cette odeur-là. Edward qui nous dit, j'apprends le français, je suis des États-Unis. Bienvenue, Edward, bienvenue, bienvenue. Denora, l'air après la pluie. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant. Soukania qui nous dit, l'odeur que j'aime le plus, c'est celle du bois. D'accord. Sundar, bonjour, bonjour Sundar. Je suis en retard, ce n'est pas grave. Cassandra, j'aime l'odeur de la forêt. Lynn, moi je préfère l'odeur de la forêt aussi. Olga qui dit l'odeur du pain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Sundar, je préfère l'odeur des fleurs. Fatima nous dit coucou. Coucou Fatima, bienvenue. Et puis, chère Lynn, Yves Saint-Laurent. Mais c'est pas une odeur, c'est pas une odeur naturelle. Ah, pardon, pardon. Et il incarne certaines de mes fragrances préférées. Alors attendez, rose, mûre, vétivier, et certaines ont une qualité nostalgique. Oh, c'est incroyable, incroyable. Alors Julia, oh là là, comment c'est possible la tarte aux pommes sans cannelle? Mais bien sûr. Mais bien sûr, dans certains pays, il n'y a pas de cannelle dans la tarte aux pommes. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui, eh oui! Et c'est très gentil parce que Fernanda Garcia m'offre suffisamment pour m'offrir un café. Je vais avoir un café en votre honneur, Fernanda Garcia. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, on a décidé de souffrir ensemble quand nous avons remarqué qu'il y avait quelques petites difficultés avec le « et le « est ». Donc, on avait remarqué ça. Hein, et donc, je vous ai promis de vous embêter avec cet exercice tous les jours pour être sûr que on va bien faire la distinction entre le « et le « est ». Je vais lire une seule fois le mot et vous allez, s'il vous plaît, écrire le mot que vous entendez. S'il vous plaît, n'écrivez pas la lettre, écrivez le mot en entier. Allez, on y va. Étudiez. Allez-y, écrivez le mot. Alors, je regarde, c'est comme hier, hein. C'est pas encore très très clair pour tout le monde. Il y a quand même une grande majorité qui a bien donné, eh bien, ce que vous voyez à votre écran ici, c'était effectivement étudier, donc la solution B. Alors, pour que les choses soient claires, je vais vous prononcer les deux. Donc, la première A que vous voyez clignoter, c'est étudier. Et il descend. D'accord ? Étudier. Et puis, quand on regarde, eh bien, la deuxième ici qui clignote, étudier. Étudier. D'accord, très bien. D'Alban Emma. Il faut être poli quand même dans la vie. Ça fait pas mal. Ça fait pas de mal. Le WTF, il est jamais très agréable à voir. Alors, le premier, étudier. Et le deuxième, étudier.
Et ici, eh bien, nous étions à la recherche d'étudier le deuxième. Alors attention, écoutez bien le numéro 2 et puis on va voir si vous le trouvez. Et on va voir si Emma d'Alban, hein, qui s'est perdue sur YouTube, eh bien, pourrait l'écrire correctement. On va voir. Allez, osez. Allez-y. Alors là, je dois dire que dans la plupart des cas, effectivement, c'est le deuxième. Emma d'Alban, vous savez, là où j'habite, WTF, ça veut dire Welcome to Finland, parce que j'habite en Finlande. Donc, vous voyez, tout est relatif, c'est ça la beauté des choses. Alors, on était à la recherche du deuxième. Le deuxième, eh bien, c'est l'infinitif. ER, souvenez-vous, quand on les combine, le son, c'est vraiment le et celui qui va avoir tendance à descendre finalement, d'accord? Donc là, pour que les choses soient claires, regardez. Le premier, eh ben, il est ouvert, il est très très ouvert et il monte au Z, d'accord? A-I-E-N-T, nous sommes d'accord que c'est la même chose que A-I-S, A-I-T. Et donc c'est vraiment très très ouvert, donc au Z. Ça c'est le premier. Et puis le deuxième, donc celui que nous cherchions ici, c'est plus fermé et ça descend oser. Donc encore une fois, le premier oser, ouvert, et le deuxième oser. Allez, on va regarder le troisième. Troisième, c'est la même chose, je vais le prononcer juste une fois et vous allez, s'il vous plaît, l'écrire. Merci beaucoup. Dresser. Allez-y. Alors oui, presque tout le monde hein, a trouvé. Donc là, effectivement, encore une fois, on était à la recherche du « et », celui qui est un petit peu plus fermé, donc c'était « dressé », donc ici c'est « ez ». Nous sommes d'accord que phonétiquement, ça pourrait être « ez », ça pourrait être « er », l'infinitif, comme nous avions précédemment, ça peut être « accent aigu », « accent aigu e », « e accent aigu s », E accent aigu ES. D'accord? Alors ici, encore une fois, on va faire les deux, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Le premier bien ouvert et il monte. Dressait, d'accord? Dressait. Et le deuxième, eh bien, comme d'habitude, le E qui va avoir tendance à descendre légèrement. Dressé. D'accord? Dressait, dressé. Allez, on continue avec le quatrième. Quatrième, eh bien, c'est la même chose. Je vais juste le lire une seule fois. Écrivez le mot en entier. Merci beaucoup. Décidez. Alors Emma, ben moi je suis française monsieur, mais moi aussi je suis français mademoiselle.
Un Français qui n'habite pas en France, ça existe également. Alors, nous étions à la recherche du premier. Le premier, c'est Décidet. Décidet, on l'écrit A-I-T ici. Et bien sûr, encore une fois, c'est le E qui est ouvert et qui monte. Décidet. Et puis, regardez le deuxième. Alors, attendez, on va faire les deux. Donc, ça, c'était le premier. Décidet, Mais là, pour l'instant, c'était parfait. Donc, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Le deuxième, EZ, qu'on a eu tout à l'heure. Ça pourrait être ER, E accent aigu, etc. Donc, c'est vraiment un E qui a tendance à descendre légèrement. Décidet. D'accord ? Décidet, le premier. Décidet, le deuxième. Allez, on va finir avec celui-là. Et comme d'habitude, je vais le prononcer juste une seule fois, si vous voulez bien. C'est comme ça. Exporter. Allez-y, écrivez-le. Alors là, je dois dire que, eh bien, je ne vois que des bonnes réponses. Et je dois dire... Allez, bravo, bravo, bravo. Effectivement, on est à la recherche de, du deuxième exporté, accent aigu S. Donc celui qui est un petit peu plus fermé et qui descend. Vous voyez, c'est comme hier, comme les jours précédents. Des fois, le premier, c'est pas très très clair. Et puis progressivement, ça devient de plus en plus clair. C'est formidable. À l'exception d'Emma. J'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe, Emma? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas raisonnable. Allez, le premier, il était ouvert, bien sûr, puisque c'est A-I-E-N-T, donc c'est de l'imparfait. Exportait, donc A-I-E-N-T. Et puis le deuxième, eh ben, c'était exporté. Donc ça, ça pourrait être le participe passé au pluriel, ou éventuellement, ça peut être l'adjectif. Exportait, le premier, exporté, le deuxième. Allez, merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer sur like, parce qu'il n'y en a que 65, et je voudrais arriver au 100, s'il vous plaît. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan d'Éric Rohmer, mais c'est un réalisateur français difficile à contourner, comme on dit. C'est un petit peu un incontournable. Et Nuit chez Maud est un des films qu'il a fait et qui est relativement populaire parmi les gens qui aiment bien Éric Rohmer. C'est pas mon réalisateur préféré personnellement. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Imaginez, la situation est très très claire. Je vous donne 100$ ou 100€, mais vous ne pouvez pas la garder. Vous devez absolument les dépenser, d'accord? Qu'est-ce que vous allez acheter et pourquoi? Je vous donne de l'argent et vous devez absolument les dépenser. C'est uniquement 100€ ou 100$. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Allez-y. Alors, Mercury Allman, ça dépend un petit peu en fait. En général, on va dire fait, bien sûr. Mais il y a certaines personnes qui peuvent, quand on parle du substantif, il y a deux écoles. Vous entendez un fait, ou des fois, vous pouvez entendre les personnes qui disent un fait. Donc, prononce légèrement le T. Normalement, on ne le prononce pas. Le T final est muet. «
Alors Anne Viking, le Kim, s'il vous plaît, le pourquoi est important. J'aimerais une phrase pour m'expliquer pourquoi. Alors, Anne Bikim qui dit des livres français, mais qui n'explique pas pourquoi. Sundar, c'est pareil. Ça n'est pas raisonnable. Vous dire, je vous dis, j'achèterai du chocolat. Oui, d'accord. Bah, si vous voulez, j'aimerais bien savoir pourquoi et en quelle quantité. Parce que du chocolat, c'est impressionnant. Avec 100 euros, vous pouvez avoir votre poids en chocolat, Sundar. Alors, Anne Vicky qui dit ça m'aidera à progresser. Très bien. Soukania qui nous dit j'achèterai des choses essentielles pour des gens qui... Ah, attendez, qui avait perdu travail à cause de la pandémie. D'accord, très bien. Sophia X qui dit, je vais sans doute aller au spa pour me relaxer. Ça, c'est pas mal. Ah oui, ça peut être très sympathique. Roman qui nous dit, j'achèterai une paire de pantalons, ou un pantalon en général, et des chaussures. Denora qui nous dit, j'achèterai un bon vin et partagerai avec mes amis. Cassandra qui dit, je veux acheter une classe, un cours en ligne pour étudier le français. Cosmina qui nous dit, je vais les investir pour les multiplier. Je peux acheter des obligations, des actions ou des titres d'État. Eh oui, mais si vous voulez vraiment multiplier, qu'est-ce qui est le plus... Mais c'est toujours risqué. Quand on veut multiplier beaucoup, c'est risqué. Yossi, j'achèterai un nouveau disque dur extérieur. Externe, on dit. Vert Corial qui nous dit, j'achèterai un bon de 100 dollars à dépenser plus tard. Elle n'avait pas le droit. Alors ça, c'est interdit. C'est interdit. Annabelle, j'achèterai un parfum parce que ça change la sensation. Eh oui, les parfums, c'est sympa. Stardust, je n'achèterai rien, je le donnerai au refuge. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je suis. Ah ben ça, c'est généreux. Carmen, j'aimerais acheter des livres pour lire avec ma petite fille. Oh oui, ça c'est chouette. La lecture à deux, c'est toujours sympathique. Sundar, j'achèterai du chocolat noir parce que j'aime manger beaucoup le chocolat sucré. D'accord. Fernanda qui dit, j'achèterai un café pour moi et 4 pour toi. Oh, mais non, c'est moi qui vous les offre, alors vous n'allez pas les offrir à nouveau. Non, ça n'est pas raisonnable, mais c'est très gentil. Felipe, un album de Michael Jackson. Très bien. Lynn, je donnerai à la banque alimentaire, ça c'est très gentil. Julia, je ne sais pas, ça dépend, peut-être que je vais absolument acheter un ticket pour aller n'importe où parce que j'aime voyager. Eh ben oui. Monono qui nous dit c'est assez pour acheter une maison. Kangli qui dit je vais dépenser pour une pâtisserie. D'accord, une grosse... Ah, je ne sais pas. Après, tout est relatif, mais j'imagine que c'est une belle pâtisserie quand même. Anna qui nous dit salut Anna. Emma qui va acheter des habits, eh ouais. Hilary qui nous dit j'achèterai des épiceries pour quelqu'un qui en a besoin. Ah, de la nourriture peut-être. Très bien. Gloria, un bon système de son. Francis qui nous dit bonjour. Bonjour Francis, n'oubliez pas de cliquer sur like s'il vous plaît. Fatima, j'achèterai des vêtements. Vouslat, j'achèterai des livres. Stella nous rejoint. Bonjour Stella, cliquez sur like et participez. Allez, on continue. «
Alors, nouvelle du monde, vous savez que c'est la possibilité de faire un petit exercice de dictée, mais en même temps, ça n'est pas très brutal, puisque, regardez, il manque seulement, comme d'habitude, eh bien, trois mots. Ne regardez pas la traduction, si vous voulez uniquement vous concentrer sur la dictée. Je vais lire, ce titre deux fois. Si le titre vous intéresse, vous voulez lire l'article, eh bien c'est sur le site Le Monde, lemonde.fr. Cancer, dépression, contamination de l'environnement, l'impossible bilan de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Cancer, dépression, contamination de l'environnement, l'impossible bilan de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Oh là là, ça arrive très très rapidement. Regardons Cosmina qui est déjà en première position. Est-ce que les autres? Eh oui, je dois dire bravo. Alors regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. Alors effectivement, bon, le premier était au pluriel parce qu'on imagine qu'il n'y a pas juste une seule dépression, mais plutôt un certain nombre de dépressions. Donc on va le mettre au pluriel avec un S à la fin. Dépression, souvenez-vous qu'on l'écrit, D-E accent aigu, P-R-E-S-S-I-O-N-S. Globalement, vous l'avez bien écrit. Bon, dans la plupart des cas, vous avez mis le singulier, mais bon, normalement, ça devrait être le pluriel. Luciana qui nous dit rebonjour. Ah oui, c'est vrai, Luciana, elle cherche. Elle court, elle cherche le signal. Pauvre Luciana, il y a des jours, elle ne trouve pas son signal sur son lieu de travail. La deuxième chose, c'est un substantif et c'est bilan. Bilan, eh bien, c'est masculin, un bilan, et on l'écrit B-I-L-A-N. Ensuite, c'était encore un substantif et c'est catastrophe. Catastrophe, c'est féminin. Comme vous le voyez, on l'écrit C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E. Catastrophe. Cancer, dépression, contamination de l'environnement, l'impossible bilan de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et oui, parce que c'était l'anniversaire, est-ce que c'était hier, je crois? Enfin, en tout cas, c'était assez terrible. Voilà. Allez, deuxième titre du monde. C'est très court, mais en tout cas, on va trouver trois mots. Que prévoit l'énorme plan de relance voulu par Joe Biden aux États-Unis? Que prévoit l'énorme plan de relance voulu par Joe Biden aux États-Unis? Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je regarde. La première chose, eh bien, c'était le verbe prévoir. Le verbe prévoir ici doit être conjugué. Et donc, on le conjugue, à la troisième personne du singulier
prévoit, et on l'écrit P-R-E, accent aigu, V-O-I-T, d'accord? Ensuite, relance, alors pour votre information, relance, donc c'est un substantif, et c'est féminin, la relance. Et donc on l'écrit R-E-L-A-N-C-E. Alors, la relance, il existe également le verbe relancer, hein, pour votre information. Et puis, la dernière chose, c'est le pays. Le pays, c'est les États-Unis. Alors, souvenez-vous que États-Unis, c'est comme Pays-Bas, c'est comme Émirats Arabes Unis, c'est pluriel. D'accord ? C'est pour ça que vous avez A-U-X, hein, donc A plus les. États-Unis, vous allez l'écrire E. Donc, accent aigu, T-A-T-S, trait d'union, U-N-I-S. Alors, ends up being pronounced like that. D'accord. Julia, pourquoi vous ne comprenez pas? Ah, d'accord. On fait la liaison, état, donc on ne prononce pas le T, mais il y a un S, et puis après, uni, et vous faites la liaison, États-Unis. On ne fait pas de pause. Les États-Unis, États-Unis. États-Unis, c'est ça la raison de cette prononciation peut-être un peu bizarre, et je m'en excuse. Numéro 3. Vous êtes presque 100 personnes à regarder, et si vous êtes gentil, vous pourriez cliquer. Souvenez-vous, notre objectif, c'est d'arriver à 100 likes. Merci. Allez, on continue avec des actualités du monde. Hein. Et donc, bien sûr, ce sont des actualités que vous pouvez lire sur le site lemonde.fr si vous voulez. Le ralentissement de Twitter, coup de semonce de Moscou contre les réseaux sociaux étrangers. Le ralentissement de Twitter, coup de semonce de Moscou contre les réseaux sociaux étrangers. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Regardons ensemble, on était à la recherche comme d'habitude hein, de trois mots. Le premier, c'est un substantif. C'est un substantif qui est connecté au verbe. Le verbe, c'est ralentir. Hein. Ralentir, c'est aller de moins en moins vite. Et donc, le substantif, c'est le ralentissement. Alors, il est assez long. Vous l'écrivez R-A-L-E-N-T-I-S-S-E. M-E-N-T. Le ralentissement. Le deuxième mot que nous cherchions, eh bien, c'était réseau. Faites attention, ici, c'est au pluriel, donc il y a le X à la fin. Vous l'écrivez R-E accent aigu S-E-A-U-X. Pour votre information, réseau, c'est un mot masculin. Hein? Donc ici, c'est le pluriel, les réseaux. Et vous voyez que l'adjectif social est au masculin pluriel, sociaux. L'adjectif que nous cherchions, le dernier, c'était étranger. Alors, étranger est bien sûr connecté à les réseaux. Donc, votre adjectif étranger doit être au pluriel. Masculin pluriel, donc étranger, E accent aigu, T-R-A-N-G-E-R. S. Le ralentissement de Twitter, coup de semonce de Moscou contre les réseaux sociaux étrangers.
Et on continue avec la quatrième actualité. Donc le quatrième titre, je vais vous le lire deux fois comme d'habitude. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine, de l'âge d'or au refroidissement. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine, de l'âge d'or au refroidissement. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je regarde ce que vous commencez à mettre. Ouais. Alors, effectivement, hein, donc ici aussi, bon, on suppose qu'on parle en général de relations au pluriel quand on parle de relations entre des pays. Donc ici, c'est les relations. Donc, R-E-L-A-T-I-O-N-S. D'accord. Mais effectivement, quand on l'écoute comme ça, on pourrait imaginer que c'est le singulier. Donc, pas de problème si vous l'avez mis au singulier, ne vous inquiétez pas. La deuxième chose, Royaume-Uni, donc c'est le pays, hein, faites attention, donc royaume, hein, on écrit vraiment, donc R-O-Y-A-U-M-E, trait d'union, et uni, vous l'écrivez, U-N-I. On le met au pluriel parce que royaume, c'est masculin. Oh, pardon, on le met au masculin parce que royaume, c'est masculin. Un royaume uni, U-N-I. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est refroidissement. Refroidissement, eh bien, c'est l'idée, effectivement, de devenir de plus en plus froid. Alors, refroidissement, vous l'écrivez, et il est long, celui-là, R-E-F-R-O-I. D-I-S-S-E-M-E-N-T, refroidissement. Alors, je vais vous la lire. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine, de l'âge d'or au refroidissement. Allez, la dernière actualité, le dernier titre que vous pouvez retrouver, donc, bien sûr, sur le site du Monde. Attention, je vais lire ça deux fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression en Birmanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression en Birmanie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver, je dois dire que c'est, eh bien, c'est magnifique. Eh bien, c'est magnifique. Vous pouvez être très, très fier de vous. C'est très bien. La première chose, eh bien, c'est sécurité. Pour votre information, sécurité, c'est féminin. La sécurité. Ici, on l'écrit donc S-E accent aigu, C-U,
R-I-T-E, accent aigu. Hein, n'oubliez pas les accents si vous avez les accents sur votre clavier. Ensuite, c'est le verbe. Le verbe, c'est condamner. Alors, souvenez-vous, on écrit le M, mais on ne le prononce pas. D'accord ? Donc, verbe du premier groupe. Ici, on va bien sûr le conjuguer à la troisième personne du singulier. Condamne. C-O-N-D-A-N-E. On écrit le M, on ne le prononce pas. N-E. D'accord ? Condamne. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est un substantif. C'est un nom qui est féminin. Et c'est répression. Répression, R-E, accent aigu, P R-E-S-S-I-O-N. La répression. Allez, le titre, le Conseil de sécurité de l'ONU, ou l'ONU, condamne la répression en Birmanie. Eh bien voilà, si ces informations vous intéressent, allez sur le site dumonde.fr et puis vous pourrez les lire, essayer de vous entraîner à la lecture. Le monde, c'est toujours un bon exercice. C'est assez difficile, mais c'est un défi. Voilà. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Il n'y a que 83 likes ! 83 ! L'idéal, c'est d'arriver à 100. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Messieurs, dames, cliquez, cliquez si c'est possible. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Ça va être intéressant. J'attends vos réponses avec impatience. Comment faites-vous pour ne pas vous énerver? C'est-à-dire, comment faites-vous pour rester calme? Comment faites-vous pour rester calme? Comment faites-vous pour ne pas vous énerver? J'attends votre phrase. Allez-y. Alors ça commence à arriver, je regarde Soukania qui nous dit « Je fais de la méditation ». Ça c'est très bon ça. Annabelle qui nous dit « Tenir une balle de compression ». Comme ça. Est-ce que ça marche? J'espère. Yulia, être seul, être calme. Sophia qui nous dit « Je respire profondément ». D'accord. Inspiration. Expiration. Learning languages, j'essaye de parler doucement et de penser avant de parler. Sundar qui nous dit je marche et j'irai au parc. Très bien. Carmen qui nous dit sécurité condamne répression. Ah Carmen, faites attention, vous n'êtes pas synchronisé. Rafraîchissez votre page. Denora, laissez sortir la vapeur. Oui, c'est où? C'est où? C'est où que ça sort? C'est psh, par là, par les oreilles peut-être. Psh, ça sort par là, la vapeur. Est-ce que vous connaissez, Denora, la cocotte minute? Personnellement, j'utilise beaucoup la cocotte minute et il y a de la vapeur. Anne Viking, je me parle et je dis arrête. Yossi, ne pas prendre toutes les choses à cœur. Stella qui nous dit c'est très difficile pour ne pas se fâcher. Ah oui, mais écouter de la musique aide énormément à me calmer.
Hilary qui dit « Je pense à quelque chose d'agréable ». Luciana qui dit « Il faut respirer ». Et nager si possible. Ben oui, mais Luciana, vous avez de la chance. Nous avons vu votre magnifique piscine. Vous pouvez nager. Parfois, c'est difficile quand c'est fermé. Olga qui nous dit « J'écoute de la musique classique et du jazz ». Vouslat qui nous dit « Laquelle ?» Vouslat, la technique classique, je compte lentement jusqu'à 10. Stardust qui dit « C'est une perte de temps et d'énergie de s'énerver pour n'importe quoi. Chill down !» Monono qui nous dit « Je cherche du chocolat. » Ça, c'est une bonne technique aussi. Clic, hop, du chocolat et après, on est tranquille. Roman qui dit « En ne parlant à personne pendant quelques heures ou en regardant, eh bien, une animation. » Fatima qui dit « Je prends du champagne. » Pouf ! Ça, c'est une technique intéressante. Cosmina qui dit « Je ne suis pas une personne nerveuse. Je m'énerve quand je fais des bêtises, quand je fais quelque chose de mal, c'est-à-dire quand moi, je suis la cause de quelque chose qui ne va pas, pas les autres. » Ice Cubes qui dit « Mais c'est difficile de m'énerver. En général, je ne dis rien et je change d'environnement. » Yessero qui dit « Eh bien, j'écris les choses qui m'énervent. » Mélissa Madrid qui dit « Je préviens les personnes qu'on doit changer de sujet. Sinon, je pars, en théorie. » Et Yuya qui dit « Mais je m'énerve parfois !» Attention, attention. Fernanda qui dit « Ah d'accord, bon week-end Fernanda, au revoir. » Victoria Possé, « Je n'y pense pas, je pense à autre chose, je fais des exercices de Vincent. » Super. J'écoute, Felipe nous dit « J'écoute ma chanson préférée. » J. Vincent nous dit « Bonjour, bonjour J. Vincent. » Lynn dit « Je fais de la méditation tous les matins pour rester calme. » Et Marina qui nous dit « Je me prépare un thé à la valériane tous les matins avant d'aller travailler. » Donc ça veut dire après, tranquille toute la journée. Marina a une bonne technique. Merci. Allez, trouvez un mot, s'il vous plaît. On va commencer avec, eh bien, les deux lettres L-I. Trouvez-moi un seul mot qui commence avec L-I. Allez-y. Alors, Soukania qui commence et qui nous dit un lit, Yossi qui nous dit lire, Anvi Kim qui nous dit un lièvre, Sundar qui nous dit un livre aussi, Denora qui nous dit un liquide, Roman qui nous dit libre au pluriel, Learning Languages qui nous dit littérature, féminin, Nelson qui nous dit libre, très bien, adjectif, masculin et féminin, c'est la même forme, Gloria qui nous dit la liberté, Vouslad qui nous dit, attendez, est-ce que c'est licorne? Faites attention, vous, cela, c'est féminin. La licorne, hein, si c'est ça. Fizzle qui nous dit la liberté. Hilary qui nous dit le lithium. Fatima qui nous dit la limonade. Victoria Possé qui dit... Ah, c'est une petite musique qui fait danser, effectivement. Mais il faut faire les exercices quand même, Victoria Possé. On est là pour travailler. Annabelle Nouvelle qui nous dit
la littérature. Julia qui dit une limonade. Féminin. Cosmina qui dit libidineux. Ça, c'est pas cool. Hein. Julia, c'était fait. Felipe, un livre. Ice Cubes, la liberté. Lynn, levé. Victoria Posse, qui a fini de danser, libéré. Luciana, lit. Effectivement, donc là, la forme du verbe lire à la première ou deuxième personne du singulier. Kangli, qui nous dit lire. Melissa Madrid, une limace. Olga Ruiz, qui nous dit un liquide. Aussi. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est bon pour tout le monde. On va continuer. Allez, ça continue avec LU. Trouvez-moi un mot qui commence avec LU, s'il vous plaît. Alors ça commence directement avec Sundar qui nous dit lundi, Chalbouga ludique, adjectif masculin ou féminin, très bien. Luciana, la lumière. Soukania qui nous dit lucide. Denora, la lumière, vous slate une lutte. Cosmina qui nous dit ludisme, Yossi qui nous dit lucide, Annabelle Nouvelle qui nous dit la lumière, et ça c'est magnifique, que la lumière soit. Drunk Vigo qui nous dit j'adore manger du cassoulet tous les jours, et ça c'est très très bon, et il faudrait changer. Drunk Vigo, alterner cassoulet et choucroute. Et là, vous aurez quelque chose d'équilibré. Roman Lambert, je ne sais pas ce que c'est. Kangli, lunatique. Fatima qui nous dit la luminosité. Anvi qui nous dit un lutteur. Hilary, la lubrification. Felipe, luminaire. Mélissa Madrid, un luthier. Gloria qui nous dit luxuriante, Stardust lucratif, Yesero ludique, Victoria Posse lutte, Olga qui nous dit lunatique, Julia qui nous dit lustre aussi. Merci beaucoup. Ice Cubes qui nous dit la lune. Allez, et on va finir avec la, s'il vous plaît. Écrivez-moi un mot avec la. Drunk Vigo aime bien ma suggestion, le choucroute. L'autre possibilité, c'est un bœuf bourguignon, c'est-à-dire vous tournez sur 3 jours comme ça. Alors, Soukania qui définitivement est très très rapide, hein, qui nous dit un lapin. Quelle connexion incroyable. Anvi qui nous dit une lampe. Regardons la suite. Albouga, une laitue. Vouslat, laconique. Annabelle qui nous dit là. Pas ici. Non, non, non. Là, nous dit Annabelle. Roman qui nous dit l'année. Luciana qui nous dit laisser. Yesero qui nous dit lait. Gloria la la land, mais non. Encore, vous en priez. La la la. Ah la la la. Il y a aussi une larme. Oui, learning languages, une larme aussi. Fatima, la lacune. Ou une lacune, oui, effectivement. Est-ce que les autres ne sont pas inspirés? Pour l'instant, rien n'arrive. Regardons ensuite. Alors, Julia, est-ce que c'est le jour du bœuf bourguignon aujourd'hui? Ben, je ne peux. Je ne dis rien. Je ne dis rien, je ne veux rien dire, je suis un homme superstitieux. Cosmina, le laxisme. Ça me rappelle une histoire, ce. Enfin bon. Victoria Posse, lancé. Hilary, latte. Ouais. Faites attention, c'est du français parlé, hein, latte, si on parle du même. Mélissa Madrid, la laïcité. Et oui, effectivement. Drug Vigo, la bad blue, je ne sais pas.
C'est un peu mystérieux ce Kang Li, lanceur, un lanceur masculin. Olga Ruiz, un laitage. Yulia B, une lamelle. Et Denora, une latitude. Alors j'ai très très peur, je vois qu'il n'y a que 89 likes, ça n'est pas raisonnable du tout. Normalement j'attends comme à chaque cours, 100 likes, c'est un minimum, s'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas le réalisateur Bertrand Tavernier, je vous invite à le découvrir. Bertrand Tavernier a fait des films absolument formidable. C'était vraiment, vraiment bien. Alors, La vie et rien d'autre fait partie de ces films de Bertrand Tavernier qui sont vraiment intéressants. Donc, si vous voulez découvrir le cinéma français, Bertrand Tavernier est difficile à éviter. Allez, une question intéressante. Aimez-vous faire la grasse matinée et pourquoi ? On est d'accord que c'est le pourquoi qui est intéressant. Donc dites si vous aimez faire la grasse matinée, oui ou non, mais surtout pour quelle raison ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste que 10 likes pour arriver au 100. 10, c'est possible, donc essayez de vous motiver. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est le moment ou jamais. Alors, Albouga, eh bien voilà. Ça me rappelle aussi quand mes enfants étaient plus petits, parce que Albouga nous dit pas vraiment, parce que j'ai des petits enfants. Et c'est vrai que quand ils sont petits, eh bien, ils se réveillent très très tôt, je m'en souviens. Learning Languages qui nous dit « Je ne connais pas le mot grasse matinée, c'est quand vous aimez dormir longtemps le matin. » Soukania, « Non, pas du tout, parce que je me sens paresseuse. » Luciana, « Je préfère me lever tôt pour profiter du jour. » Anne Viking qui dit « Mais non. » Alors, voyons, c'est une perte de temps. Drunk Vigo qui dit oui, parce que la vie est si dure. Et c'est vrai que la vie est dure. Mais Drunk Vigo, c'est surtout le cassoulet. Le cassoulet tous les jours. C'est vrai qu'on a du mal à se lever le matin après. Hein. Yesero, d'habitude, je fais la grasse matinée les samedis pour me détendre. Denora qui dit absolument. Victoria Possé qui dit je n'aime pas faire la grasse matinée car j'aime me lever tôt. L'expression se lever comme les poules, hein, on se lève très très tôt le matin. Yossi, non, je n'aime pas. Quand il y a de la lumière à l'extérieur ou dehors, je me réveille immédiatement. Alors Yossi, il ne faut pas venir dans les pays nordiques, parce que ça voudrait dire que vous ne dormez jamais. Parce qu'il y a une période de l'année où la nuit n'arrive pas, hein. Stella, ça dépend de l'occasion, mais parfois on a besoin de ne rien faire et dormir toute la journée. Hilary qui nous dit oui, 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 parce que je me sens bien. Mercury Allman qui nous dit je n'aime pas ça parce que c'est ennuyeux. Stardust qui nous dit non, je me lève et je fais du sport. Cosmina qui nous dit non, je n'aime pas faire la grasse matinée, je me réveille tôt le matin pour commencer le travail le plus rapidement et être efficace. Julia qui nous dit « Oui, j'aime le faire de temps en temps et maintenant souvent parce que le lit est comme un nuage et c'est très agréable et ça donne un sentiment de relaxation et de liberté. » Ah, c'est un peu comme un avion
qui vole dans les nuages. Cassandra qui nous dit « Non, je n'aime jamais faire la grasse matinée, j'aime me le réveiller tôt. » Mélissa qui nous dit « Oui, parce que j'ai la chance en ce moment de pouvoir le faire. » Sundar, je me réveille à 5h30 tous les matins. Ah oui, mais Sundar, c'est pour ça. Vous vous couchez tôt aussi. Victoria Jacques, oui, bien sûr, j'adore dormir. Alors, Victoria Jacques participe uniquement quand c'est des sujets qui l'intéressent. Et en général, c'est le sommeil et le vin rouge. Ouslat, oui, j'aime bien parce que ça me calme. Ensuite, Olga qui nous dit « Désolé, je ne comprends pas la question. » Olga, ça veut dire « Est-ce que vous aimez bien dormir longtemps le matin ?» Roman qui nous dit « J'aimerais dormir sur un grand lit parce que j'aime aussi et je me sens à l'aise là-dessus. » Et Fatima qui nous dit « Oui, tous les dimanches. » Albouga nous quitte. Bon week-end à vous, Albouga. Au revoir. Allez, Sundar nous quitte. À demain, Sundar. L'exercice continue et c'est écoutez bien. Écoutez bien, regardons ensemble et écoutons ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire la distinction, encore une fois, entre le « u » et le « ou ». Je suppose que ça va être facile. Victoria Jacques qui nous dit je viens de me réveiller, je fais une grasse matinée aujourd'hui. Ah, mais c'est pour ça. Cheryline, je vous avais pas vu. Cheryline nous avait dit pour moi, ce n'est pas une question, tant une question de préférence, mais une question de nécessité. Je dois le faire quand je peux. Ah, ben oui, il faut dormir. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Allez, on attaque avec qu'est-ce que vous entendez ? On y va. Une seconde, je dois juste me mettre. Voilà, on y va. Je vais, attention, lire une seule fois et vous devez écrire ce que vous entendez. N'écrivez pas, s'il vous plaît, la lettre, mais écrivez vraiment ce que vous entendez. Du. Allez-y. Alors, J. Vincent qui dit « Je suis tellement content d'avoir trouvé ça ». Eh bien, écoutez, avec plaisir, c'est tous les jours du lundi au samedi. Le dimanche, je me repose. Alors, globalement, c'est bien. Hein. Pour l'instant, on a juste deux ou trois personnes. Hein. Alors, regardons. C'était le premier. Hein. Celui qui clignote, eh bien, c'est le U, hein, qui est vraiment, vraiment très, très serré comme ça. U, vous le faites comme ça. Alors que le deuxième, eh bien, ça va être beaucoup plus rond. Donc, le premier, encore une fois, U, vous faites une petite trompette avec la bouche. U. Le deuxième, eh bien, il sera comme ça, beaucoup plus rond. U. 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 Et donc, bien sûr, si vous prononcez les mots, ça va être du, de, du. Et le deuxième, ça va être dou, de, dou. Premier, du. Deuxième, dou. D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 2. Exactement la même chose. D'accord ? On y va. Je le prononce une seule fois. Écrivez ce que vous entendez. Pou.
Alors écoutez, ça a l'air d'être très très clair pour vous. Donc écoutez, c'est pour l'instant c'est pour. Hein. On est d'accord, donc je ne pense même pas que ce soit nécessaire de faire la distinction entre les deux très longtemps. Le premier c'était pu et le deuxième c'est pou. Et donc là c'était le deuxième. On va passer très rapidement au numéro 3, comme ça c'est pas la peine de rester très très longtemps si c'est clair. Attention, je le prononce une seule fois. Fou. Alors, ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde. Pour l'instant, j'ai juste vu une petite erreur avec un personnage comme ça. C'est Yulia qui s'est corrigée, auto-corrigée, c'est pas mal. Donc ici, c'était fou, c'était le deuxième. Donc encore une fois, je vais vous les prononcer. Le premier, c'était fu, donc le T final n'est pas prononcé. Et le B, c'était fou. Allez, si on continue avec le quatrième, même chose, hein, on va essayer d'aller assez rapidement. Attention, je le prononce une seule fois et c'est nu. Alors, ça a l'air très très bien, enfin d'après ce que je vois, et ce qui arrive pour le moment, c'était la première chose. C'était nu, c'était le premier, donc encore une fois, je vais vous les prononcer tous les deux. Le premier, eh bien, c'était nu, donc le E et le S ne sont pas prononcés. Et le deuxième, eh bien, c'était nous, hein, qui est beaucoup plus rond. Le S final n'est pas prononcé. Et on va faire le cinquième pour finir avec cet exercice. Attention, attention, loup. Chérine, comme les ours l'autre jour. Mais oui, mais Chérine, c'est normal, les ours ne s'habillent pas. Alors, on est d'accord là encore que c'était le deuxième, c'était loup, le P final n'existe pas. Enfin, il existe, mais il n'est pas prononcé. Alors, on va juste voir les deux. Alors, le premier, c'est lu, hein, donc encore une fois, le UUU. Et puis, le deuxième, c'est celui qu'on avait, c'est loup, ou. Petite information, il reste juste 6 clics. Pour arriver à 100, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Allez, l'image du jour, et bien voilà une image, s'il vous plaît, une phrase pour commenter ou décrire cette photo comme d'habitude. Une seule phrase, allez-y et cliquez sur le like encore une fois, on est juste à deux.
Alors, je regarde et c'est Learning Languages qui est en première position et qui nous dit, eh bien, dans la rue, je peux sentir la liberté. Ouais, faites attention, je peux, P-E-U-X, hein, dans l'autre sens. Une ville et montagne, pluriel, sont grandes comme sa tête. Soukania qui nous dit, c'est une image de vivre dans un si bon paysage, si beau paysage peut-être. Denora qui nous dit bonjour, la nature. Victoria Possé qui dit la solitude. Elle est comme ça, youpi. Stardust qui dit liberté, elle aime sa vie. Luciana, l'avenir est un chemin à parcourir pas à pas. Peut-être. Ça, c'est intéressant. C'est une phrase très intéressante. Hilary, dépêchez-vous, Hubert. Olga, très belle rue pour faire du vélo. Alors, c'est plutôt ce qu'on appelle une route, Olga. Une route, hein, c'est comme ça. Et puis, la rue, c'est la route plus les trottoirs, plus les maisons ou les bâtiments. D'accord ? Monono, je suis seul dans le monde. Ça, c'est pas mal aussi. Guiessero, cette femme représente le concept de vie. Elle est libre d'aller n'importe où. C'est vrai. Gloria, vivre la vie des moments Kodak. Fais de la pub, Gloria. Fais de la publicité. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, Kodak? Je ne sais pas. Roman, c'est une belle vue et je voudrais jaillir ici sans mes spectacles dans la rue. D'accord? Annabelle qui nous dit, je porte une jupe parfaite aujourd'hui. Oui. C'est vrai que c'est une belle jupe. C'est vrai que c'est une très belle jupe. Monique qui nous dit long chemin pour la vie. Ça, c'est pas mal aussi. Yossi qui nous dit elle attend que quelqu'un l'aide à arriver en ville. Grace qui nous dit elle est dans la rue. C'est plutôt sur la route, on est d'accord. Anne Viking qui nous informe que, effectivement, nous venons passer les 100, mais je finis d'abord. Cosmina qui nous dit le vêtement n'est pas approprié pour une randonnée dans la montagne. Mais le paysage est éblouissant et je remarque la bonne qualité de l'infrastructure routière avec un O. Et oui, effectivement, Chérilyne, la femme transmet un message en code sémaphore, mais personne n'écoute ou personne ne voit. Eh oui, c'est ça, il faudrait qu'elle vienne avec sa lampe. Cassandra, elle se sent géniale d'être dans un endroit vraiment incroyable comme celui-ci. Vouslat, la jeune fille est dans la rue et elle est contente de sa vie. Et Fatima qui nous dit une photo fascinante. Mais bien sûr, Anne Vikim nous l'a rappelé. Et oui, c'est la petite danse du vendredi. Voilà, la petite danse des 100 clics. Merci beaucoup, bah écoutez, c'est gentil. Maintenant, je ne vais plus en parler, c'est promis. Enfin, je vais vous inviter à cliquer, bien sûr. Alors, Claude Sautet fait partie des réalisateurs français qu'il faut absolument connaître. Il y a eu beaucoup de films et il y en a un qui est vraiment, vraiment bon, à mon avis, Les choses de la vie. Si vous aimez Romy Schneider, qui a beaucoup, beaucoup fait de films en France, avec Michel Piccoli, qui était vraiment très, très bon, les deux. Les choses de la vie, c'est un film que je vous conseille. Allez, l'exercice s'appelle « Quelle heure est-il ?» Quelle heure est-il ? C'est quelque chose d'assez basique, mais en même temps, il n'y a pas d'exercice trop facile. S'il vous plaît, quelle heure est-il ? Et je dis merci à Yann Arte qui m'offre un menu de restauration rapide. Un grand merci à vous, merci beaucoup.
Alors, regardons ensemble. Alors, logiquement, hein, on a deux approches, bien sûr. L'approche qui est l'approche moins formelle et l'approche formelle. Alors, ce qu'on va utiliser en général, je le mets en première position, il est 11h30. D'accord ? N'oubliez pas que demi, ça n'est pas la peine de le mettre au pluriel. Hein, donc, vous l'écrivez juste D-E-M-I-E. Donc, ça, c'est en général ce qu'on va dire. Si vous écoutez des choses qui sont plus officielles ou plus formelles, vous allez à l'aéroport, vous allez à la gare, eh bien, on va tout simplement utiliser « il est 11h30 ». D'accord ? Donc, première possibilité qui est moins formelle, plus parler, « il est 11h30 ». Deuxième possibilité, qui est la version officielle, « il est 11h30 ». Et ma question est très très simple et absolument pas philosophique. Que faites-vous à cette heure-là en général ? Alors je regarde, et là c'est Cosmina qui est en première position et qui nous dit ben, « En général, monsieur, à cette heure-là, je travaille. » Anvi Kim qui nous dit « Je fais des révisions. » Soukania qui dit « Je travaille. » Hillary qui dit « Je travaille. » Roman qui dit « Je mange. » N'hésitez pas à faire des phrases. Soyons généreux, soyons généreux. Et celle qui nous dit « Je travaille. » Annabelle qui nous dit « Je vais à la gym. » Très bien, les gyms sont ouvertes. Super. Il y a des pays où les gyms et les piscines sont fermées. Fatima, je prépare mon repas. Stardust qui dit « Malheureusement, je dois y aller. » Au revoir Stardust et bon week-end. Victoria Jacques qui nous dit « En général, je travaille et je prends ce cours. » Monique qui nous dit « En général, je regarde Vincent. » Oh, bah c'est gentil. Merci beaucoup. Gloria qui nous dit « C'est la pause café, d'accord. » Ice Cubes qui dit « Je travaille », mais nous savons très bien que Ice Cube, c'est une grande travailleuse. Yossi, j'apprends le français. Julia qui dit « Si je travaille, je commence à penser au déjeuner. » Et ça, c'est toujours une petite pensée sympathique. Francis qui nous dit « Je vois ton cours de français. » Merci beaucoup, Francis. Denora, je suis avec vous, Monsieur Vincent. Merci beaucoup, Denora. Vouslat, je regarde la télé en buvant mon café. Yessero qui nous dit « Je fais des exercices avec le prof Vincent. » Merci Yessero. Cassandra qui va à la gym. Oh, ça c'est super. Si les gyms sont ouvertes, profitez. Hein. Le Learning Languages, à 11h30, je travaille. Victoria qui dit « Normalement, je fais ma marche quotidienne. » Bickert qui dit « En général, je bois un café turc comme d'habitude. » Ça, c'est pas mal. Maria Fernandez, j'étudie le français avec Vincent. Merci beaucoup, Maria. Luciana qui dit, je prends mon déjeuner, je prépare pour regarder Learn French with Vincent. Merci, Luciana. Alors, je vais faire de la musculation. Oh, très bien, vous devez être quelqu'un de très musclé, alors. Bickert qui nous rejoint, bonsoir. Yann Arte qui dit, je prépare le déjeuner. Olga qui dit, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis, alors, attendez. Cherylyn, je travaille ou je dors le week-end. Bien sûr, Cherylyn travaille tellement qu'elle doit dormir longtemps pour récupérer, c'est normal. Grace qui dit « Je vais au marché », ça c'est sympathique. Bouchra qui nous dit « Je prépare le déjeuner ». Denise qui nous rejoint, bonjour Denise, comment ça va? Romane qui dit « Que faites-vous à 7h Vincent ?» Moi je travaille tranquillement, mais sûrement. Cherylyn qui dit « Le vendredi, je cours vers la plage ». Avec un ralenti et une musique probablement intéressante. Denise qui nous dit « J'enseigne ». Eh bien oui, nous travaillons.
comme des bêtes. Yulia qui nous dit, on fait du sport à l'extérieur depuis janvier. Ben oui, effectivement. Allez, on y va. Oui, Denis, c'est un petit cadeau supplémentaire, le petit chapeau. Allez, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Je ne suis pas une machine, Denise, je suis un homme. Alors, je regarde. Regardons ensemble, effectivement, donc ici. 3h05, hein, effectivement, Denora. Ce n'est pas vraiment la peine de mettre 5 minutes, hein, puisqu'en général, on suppose que les 5, eh bien, c'est des minutes. Donc, on va dire, il est 3h05. Regardez, que faites-vous en général à cette heure-là? Alors, je regarde. Attendez, une seconde. 3h05, c'est le matin, mais vous faites ce que vous voulez. Parce que Olga qui nous dit, non, Olga, d'accord. Hilary qui dit, je travaille. Annabelle qui dit, je vais au supermarché. Le matin? Chériline, j'apprends le français avec Vincent. Ah oui, la nuit. Ah, c'est troublant, je ne sais plus ce qui se passe dans vos vies. Vos vies sont très intéressantes, Anne-Vie, je fais des révisions. Gloria qui nous dit « je dors ». Là, c'est logique, pour moi en tout cas. Cosmina, en général, à cette heure-là, je dors et je rêve. Eh oui, il faut manger des crêpes. Hein. Quand on mange des crêpes, on rêve beaucoup plus. C'est ce que ma maman me disait. Et celle qui nous dit « je fais du sport en pleine nuit ?» Mais que se passe-t-il, Soukania? Mais j'ai encore du travail. Mais nous parlons du matin. C'est le matin quand même, non? Les gens travaillent la nuit peut-être. Denora qui nous dit « l'heure du café ». À 3h du matin. Yulia, je dors! C'est la nuit quand même! Oui, moi c'est ce que je pensais. Yossi, qui est dans la même logique. Je me retourne dans le lit. Alors Yossi, quand on se retourne, il ne faut réveiller personne. Si votre femme est à côté, il faut vous retourner délicatement. Ice Cube qui dit « je dors, bien sûr ». Victoria Possé, je me réveille d'une petite sieste. Non Victoria, c'est 3h du matin, c'est la nuit là, il faut dormir, hein. Il ne faut pas se réveiller. Monique, en général à cette heure-là, eh bien je rêve. C'est normal. Est-ce que c'est le temps militaire, Gloria?
Qu'est-ce que c'est le temps militaire? Je ne sais pas ce qu'est le temps militaire, Gloria. Shahar qui dit je travaille. Ah non, vous travaillez la nuit peut-être. Bouchra qui nous dit je rêve. Et Grace qui dit en général je dors pendant la nuit. Bien évidemment. Luciana, je dors aussi. Learning languages, à cette heure-là, je dors. Faites attention, DORS. Stella, comme d'habitude, j'étudie le français. J'écris dans mon cahier pour mémoriser des mots par cœur. Attention, Stella, c'est la nuit. Il faut dormir la nuit, Stella. Victoria Jacques, je vais dormir. Eh oui, parce que Victoria Jacques, elle se couche trop tard. Et ça, nous le savons. Allez, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Julia qui dit oui, c'est le temps militaire. Je ne sais pas, ça doit être le temps militaire, probablement. Alors, Cosmina qui est très gentille et qui nous dit, dans le langage militaire, ils disent 15h pour l'après-midi et 3h du matin pour le matin. Oui, mais y a pas que dans le langage militaire, c'est plutôt le langage officiel en général. Mais si vous préférez, en général, quand vous prenez un ticket, une réservation pour un billet d'avion, c'est pas militaire, mais c'est juste comme ça que c'est écrit aussi. Alors, regardons ensuite ce que vous avez écrit. Donc première façon qui est la façon non officielle, la façon pas formelle, il est 2h15, hein, souvenez-vous, c'est le écart qu'on va écrire. N'oubliez pas le et, hein, c'est assez important. Donc 2h15. Et puis l'autre possibilité, alors si ça vous plaît, je vais dire la façon militaire. Mais c'est la façon officielle ou la façon formelle, et c'est 14h15. Il est 14h15. Alors regardons, donc il est 2h15 ou il est 14h15. Et Gloria qui nous dit bien sûr, en Europe, c'est juste le temps normal. Ah ben oui, mais c'est plus simple. C'est plus simple si vous prenez un billet d'avion, c'est beaucoup plus simple. Alors, Drunk Vigo, j'adore passer du temps avec Vincent. N'oublions pas, Drunk Vigo, que nous avons décidé que vous alliez changer le cassoulet premier jour, la choucroute jour numéro 2 et le bœuf bourguignon incroyable jour numéro 3. Et vous faites des rotations comme ça. Allez, on continue. Que faites-vous à cette heure-là, s'il vous plaît? Alors, c'est Bicotte qui dit en général, je prends mon déjeuner ou je prépare des repas pour le dîner ou je vais au supermarché. Et celle qui nous dit je travaille. Yossi qui dit je fais parfois une grasse après-midi. On appelle ça une sieste, monsieur. On appelle ça une sieste. Et c'est bien la sieste. Mais il faut que ce soit. Moi, j'ai un problème. Je dors trop longtemps quand je fais la sieste. Il faut des petites siestes. Olga, il est d'accord. Soukania qui nous dit je travaille encore. Fatima qui dit je lis un livre. Cosmina qui dit à cette heure-là, eh bien, je travaille. Cosmina, c'est une stakhanoviste. Elle travaille jour et nuit. Victoria qui dit je regarde l'heure et j'attends 17 heures. Ah, ça fait longtemps quand même. Vous attendez.
Ça fait beaucoup à attendre quand même, c'est pas raisonnable. Hillary qui dit je travaille et je pense à dîner. Roman qui dit je travaille ou j'étudie. Denora qui dit c'est l'heure du déjeuner. Victoria qui nous dit, Victoria Possé, je bois du thé après avoir mangé. Ice Cubes qui dit, ben je travaille encore. Eh ben oui, Ice Cubes travaille toujours, toujours aussi. Stella, je prends mon café avec du pain et de la viande. Monique qui nous dit, en général, à cette heure-là, je mange avec mes parents. Yann Arte qui dit, je préfère faire une petite repoussée. Alors ça, je ne suis pas sûr, Yann Arte, oui. Chararé qui nous dit, je travaille à cette heure-là. Et Cero qui dit, d'habitude, j'étudie. Grace qui dit, normalement, je prépare un sandwich. Ça, c'est pas mal, un bon sandwich. Alors, très bien. Yulia, à cette heure-là, je pense à la fin de mon jour de travail et le début du cours qui commencera avec Vincent bientôt. Oui, pas tout de suite quand même. Maria qui nous dit, je fais la vaisselle. Eh oui, Lynn, en ce moment, j'aime faire une randonnée. Ça, c'est sympa si vous pouvez randonner. C'est le début du printemps. Mélissa qui nous dit, j'étudie. Vouslat qui dit, je prépare le repas pour le déjeuner. Cassandra qui nous dit, je travaille. Et Yann Arte qui dit, je préfère dormir un peu. On appelle ça une petite sieste. Hein. Chérie, je fais des expériences en laboratoire. Je lis ou j'écris ou j'enseigne des cours de premier cycle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et Olga Ruiz qui nous dit, je déjeune. Julia qui dit, alors il y a deux catégories. Les gens qui travaillent et les gens qui mangent. Mais je crois que c'est ça, c'est aussi simple que ça la vie. Il y a les gens qui travaillent et puis il y a les autres qui mangent tranquillement. Et ben voilà, la vie est belle. Allez, c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup. C'était très, très, très sympathique. Je vous propose, eh bien, de continuer à marcher dans les rues de Lyon, si vous voulez. Donc, je vous donne rendez-vous demain, si vous voulez bien. Ce sera avancé, donc ce sera en français, bien sûr. Et si vous avez quelques minutes à perdre là, regardez et marchez avec moi dans les rues de Lyon. Et au revoir. Merci encore.